Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasmaille, on est parti pour la partie 3 du Let's Play Rayman Revolution. Donc cette fois-ci, nous retrouvons pour sauver Blitz, le copain du petit Globox là. Je pense qu'il faut juste aller là-dessus. Et il se passe rien. Mais c'est magique. Non, je comprends pas grand-chose là. Dans le bayou. Faut trouver Blitz dans le bayou. Ah, je savais pas que les crabes pouvaient nous attaquer. J'ai l'impression que c'est une nouveauté. Donc faut aller dans le bayou pour trouver Blitz. Parce que là je suis allé à la jetée et je me disais, bah, on a fait le marécage, on a fait l'endroit de la fée clochette. Ah, donc je me dis, c'est peut-être. C'est la jetée, quoi. Finalement, non. Donc le bayou, c'était au fond, peut-être ici. Bon, là, il n'y a que la clairière de la fée. Donc ici c'est... Ah, le bayou. Il y a le bayou. Heureusement qu'il y a quand même ces petites indications. Sinon on serait un peu paumé. Ah merde. Ah, fichtre. Le bayou. Je fais un peu du freestyle. C'est ça le bayou. Alors on est parti. Dans le feu de l'action là, je perds pas de temps. Bon, même si on perd un peu de temps avec un temps de chargement. Sauvegarder, ouais. Petite sauvegarde puisque... Là j'ai repris direct et je pense que la dernière fois on avait sauvegardé, je sais plus, un peu avant. Nous sommes à 1h07 de jeu. Il y a un petit problème. Pendant ce temps-là, j'ai l'impression qu'on était un peu plus que ça. Maison des pirates, esclaves à bord, 22 730. Quartier personnel de l'amiral Barbe Tranchante. Ok, la première cutscene avec Barbe Tranchante, le grand méchant de Rayman 2. On va dire que son doublage est plutôt honorable. Moyen. Alors on va faire gaffe. Parce que je trouve que dans Rayman 3, il y a vraiment un bon doublage, mais dans le 2, c'est un petit peu vieux. Attention, bombe. Et bah ouais, c'est le fameux niveau avec le vaisseau pirate qui nous attaque. Le galion. C'est un niveau assez sympathique. Purée, mais... Je suis déjà tombé. Mais... C'est pas possible. J'arrive pas à être sur le tonneau. Quoi? Vite, ok, la bombe! La bombe à retardement! Je
Et là, je pense qu'il va falloir sprinter parce que ça va, voilà. Ça se craquelle. Plateforme qui tombe au bout d'un moment. Avec encore une fois une bande son vraiment bonne. Purée. Yeah! Ah purée, pourquoi il a pas fait le fameux yeah dans Rayman 1? C'était plus épique. Yeah! Attention aux fantômes. Ils sont énormes. Quand on pense comment ils vont être dans Rayman 3, bien plus petits. Par contre, ils seront invincibles dans Rayman 3, je pense. Quoique... Ah non, non. Ils sont pas invincibles, mais ils reviennent à chaque fois. Ils repop à chaque fois. Voilà. Encore un petit checkpoint. Et... une caisse en bas. Une caisse, une cage. Puis attention. Ce qui est bien, c'est que les points de passage sont à tête chercheuse. Ils te suivent quand tu passes à côté. À la musique du Far West. Tranquillement. Pour l'instant, je me débrouille plutôt bien. Je crois que j'ai vu toutes les cages. Il y en a 6 à voir, c'est pas beaucoup. Ce qui est étrange, c'est qu'on voit un logo de l'île à fée. Mais c'est pas grave. Il n'y a rien à côté. Il m'a tiré dessus. Ouais, bon, encore ce niveau, il est pas dur. Un petit temps de chargement. Ça faisait longtemps. Globox qui sprint, hein, vous voyez, c'est... Il fait du surplace. Bah non, je vais pas sauvegarder. Je sais plus si les grenouilles, ça nous attaque. Je crois que si, c'est méchant les grenouilles. C'est méchant! On peut pas aller à gauche? Oui, j'avais cru qu'il y avait une plateforme à gauche. Là, ça fait franchement penser à Crash Bandicoot. Hein. Où on va tout droit comme ça, en 3D. Je crois qu'il y a une petite animation si on défonce les... Ah, purée. Ah, voilà. Petite animation magnifique. Avec les dents qui se brisent. L'animation reprise de Rayman 1, bien sûr, sa petite référence. On va pas faire de bruit, bon d'accord, c'est loupé hein, pour l'infiltration. Ok. C'est vrai que la caméra est bah, complètement dans le décor. Fury. Qu'ils ont pas beaucoup de vie là. Parce que bon, je me fais un peu avoir. Oula, il y a un balèze. Ah, il a un lance-flamme. Ah, je me souvenais pas de ça dans Rayman 2. Hein. Je pense que c'est une nouveauté. Moi, c'est bien, ça rajoute du piment. Ok, bon, par contre, l'effet des flammes, on va dire. C'est un peu un JPEG. Ah, la fameuse jetée, oui. Dans la démo, on voit ce petit truc là nous emmener à la jetée, oui. Dans la démo, bien sûr. La démo du jeu quand on n'appuie pas sur start au début.
Alors bon, on peut sauter sur ces caisses. Ah voilà. Enfin tonneau. J'arrête pas de dire caisse. Plutôt joli. Hein. Ok. J'ai réussi à avoir pas mal de loops, je crois que je les ai tous. Enfin j'espère. D'ailleurs c'est une nouveauté je crois, le petit truc là qui nous demande d'aller à la jeter. Qui est d'ailleurs un personnage venant de Rayman 1. C'est une espèce de libellule. Qui est bien plus grosse dans Rayman 1. La proportion, ils ont pas fait gaffe à ça. Par contre faut... Et nous l'interrupteur là. Faut tirer dessus. Ah, je comprends pas trop. Je crois qu'il y a un interrupteur en face. Ah mince, il est juste là. Par contre, ça, ça doit être un nouveau pouvoir plus tard. Peut-être qu'on pourra charger notre point. Oh purée, ceux-là ils sont invincibles. Je m'en souviens de ceux-là. Ils sont invincibles, ils nous écrasent. Je veux juste les ralentir. Donc vaut mieux se barrer vite fait. Heureusement ils peuvent pas aller bien loin. Ah purée. C'est vrai que ça devient un peu plus chaud. On sent le pic de difficulté là. Un peu plus élevé. Là on vient de sauver un petit être. Ah c'est un roi donc il va nous... Ou plutôt un clown. En fait c'est des clowns en fait ceux-là. Plutôt le clown du roi. Enfin bon, tant pis. Je vais pas faire mon connaisseur. Bon, on a fini le niveau. C'était assez simple. Le petit brouille va bien mieux que sur DS quand même. C'est le PGM qui parle en moi. Ou le stick directionnel. C'est un peu les... En effet, c'est un peu les deux. Alors maintenant, on va aller à la jeter. Hein. On va peut-être sauvegarder, vite fait. Page de 12 à 16%. Ce qui est pas mal. 4% de plus. Bon, le jeu n'est pas très long. Hein. Enfin, quoique... sur DS il est pas long. Maintenant que Xite est libre, la version DS qui est exactement la version N64 ou PC, je pense. Au niveau de la longueur. Et la version PlayStation 2, à ce qui paraît, elle est un peu plus longue. Maintenant que Blitz est libre, il peut t'emmener sur l'île perdue. Là-bas tu trouveras le premier masque. Va Blitz. Va Blitz t'attend sur la jetée. Ah, j'avais du mal à dire. Donc alors on a combien de lumps? Nous en avons 170, donc on peut améliorer, faire l'amélioration qu'on souhaitait dans la partie précédente. J'avais pas récupéré ces 3 lumps. Ah, c'est pas possible, il y a des lumps qu'on repopé ici ou quoi? Ou alors je les ai pas vus. Voilà, on va faire une petite amélioration, on va voir si ça va pas mal aider. J'ai l'impression qu'il est un peu lent au niveau des points, Rayman. Cadence de tir achetée. Donc partir.
voir tout de suite. Ah oui. Là, il lance comme à la bonne vieille époque, hein. Extrêmement vite. Ça, c'est parfait. Ah, parce qu'on peut lancer directement les points très rapidement comme ça aussi, sur DS. Hein. Alors que là, j'ai remarqué que c'était assez lent. Cercle de pierre. Bon, moi, ça donne une utilité aux lumes jaunes. Qui sont pas cantonnés qu'à déverrouiller des petits niveaux bonus à 2 balles. Je vous ai pas montré les papillons, mais c'est assez comique. En fait, j'ai l'impression que les papillons, ils ont été faits par 2 pages. 2 feuilles, voilà. Alors peut-être plutôt une feuille pliée en 2, voilà. Qui se plie. C'est ça, en fait, les papillons. C'est assez comique. Oh, on peut aller sur l'arbre. C'est comme ça qu'on va sur l'île perdue, l'île paumée. Alors on enchaîne les niveaux, on va assez vite. Non, on va pas sauvegarder. On ressent toujours quand même un peu la patte de Michel Ancel, hein, avec pareil dans Rayman 3. Je trouve que la mer et la plage, c'est vraiment une ressemblance incroyable. Parce qu'on est à la plage aussi dans Rayman 3 à un moment, quand on sauve des petits êtres. Je sais pas si vous avez vu mon vidéo test, j'avais montré ce passage avec le bateau par la suite, le galion. Purée. Mais je crois que ici sur DS il y avait un ennemi en plus, et là il y avait un ennemi qui nous... Et qui avait une scie circulaire, je crois. Une scie circulaire. Qui avait plutôt une foreuse. Pas du tout pareil. Purée. Je vais prendre le lume qui est en haut. Ok. Je pense au travers. Ok, on peut pas monter ces arbres. Je voulais juste voir si on pouvait se baigner, mais je pense pas, non. Il y a des piranhas. J'aurais dû me méfier du panneau. On va monter tranquillement. Ah, purée. Ah, s'il avait une Gatling, ça aurait été encore pire, mais... Quand même, un lance-flamme, c'est pas rien. Gatling Fire. Ah, dommage qu'on ne l'ait plus, la Gatling Fire. Là. Après, je me fais défoncer. J'ai l'impression que c'est good. Bon, je vais pas encore aller dans l'eau. Je vais d'abord inspecter un peu les lieux par ici. Je me souviens, on allait pas mal dans l'eau dans ce niveau-là. Bon, je crois qu'il vaut mieux que j'aille dans l'eau, en fait, puisque c'est plutôt là où il y avait des petits bonus. C'était un chemin alternatif. On va descendre tranquillement, avec une caméra à ma boule. J'ai
mais par contre faut faire gaffe à l'oxygène. 2 sur 2, mais c'est incroyable. Moi avoir toutes les caisses, c'est pas possible. C'est invraisemblable. On monte tranquille. Sûr, on récupère de l'oxygène avec les petites bulles. Référence à Sonic the Hedgehog. J'ai mis le son tellement bas que j'entends pas grand chose, mais quand il y a des gros blancs, quand je dis rien, appréciez la bande son. Voilà, tout simplement. Je peux ouvrir la porte. J'ai l'impression que la porte a bougé. Ah, un canon. C'est pas pour rien qu'il est ici, je pense. Surtout qu'il brille. Mais bon, ça fait rien, donc je sais pas. Purée, je vais tomber. C'est juste. Allez, on va défoncer cet ennemi. Bon, car du premier coup, je pense que cette amélioration est vraiment pas mal. Pour bourriner. Il y a un lanceur de bombes là. Faut faire gaffe. Faut tout le temps être en mouvement et ne pas foncer sur le crabe. Ah purée, ah oui, c'est celui qui a le lance-flamme. Ah là, je m'en souviens, faut mettre des boules bleues et boules oranges, ok. Sur ces triangles. Enfin, ces petites pyramides. D'ailleurs, on va avoir un ennemi en forme de pyramide aussi par la suite. Bon, c'est pas grave, je suis un peu trop près. Et voilà la première boule. Mais quel talent! Voici une sphère magique. Pour la saisir, place-toi en face. Tu peux la jeter en l'air en pressant X. C'est très compliqué. C'est très difficile. Je ne sais pas comment prendre cette sphère, mais c'est pas grave. J'ai pas besoin de tes conseils. Il est un peu saoulant ce petit Murphy. Je l'aime bien, mais bon. Je préfère dans Rayman 3 avec ses blagues à deux balles. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'il y ait un Rayman 4. Hein. Peut-être. Le prochain Rayman, ça sera peut-être un Rayman 3D, donc ce sera peut-être le Rayman 4. Hein. C'est même presque sûr que ça va être un Rayman 3D. En tout cas, d'après les maigres infos que j'ai pêchées par-ci par-là. Donc ça fait plaisir. Même si, bon, des Rayman 2D aussi c'est sympa. Mais bon, au bout d'un moment ça commence peut-être à se ressembler. Rayman Legend ressemble beaucoup à Origin. Hein. S'ils refont un autre. Genre un Rayman Legend 2 en gros, avec tout simplement un autre nom. Je pense que les joueurs ne vont pas trop accepter ça. Ou alors bah, faire une version améliorée, je sais pas. Purée, j'ai pas visé. Ah là, ça va être une phase de glissade. Une phase de toboggan. Purée, je me souvenais pas qu'il y avait un passage comme ça. Quoique peut-être que si, mais... Sur DS, ouais. Ça doit être franchement moins beau.
Donc là, on va être dans l'espace. Hein. Non, on va pas sauvegarder. Et voilà, on est dans l'espace. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Un endroit espace-temps où toute vie n'est qu'illusion. J'ai loupé le loup. J'ai envie de me suicider. Mais je vais pas le faire. Mais quand même, on voit facilement, purée, on voit facilement que c'est des JPEG, hein, les étoiles. Là. Simplement un gros JPEG de l'espace, quoi. Sont mis en plusieurs parties. Je dis ça parce que j'ai fait la même technique pour l'intro de Rayman 1 avec Cinema 4D. J'ai mis plusieurs JPEG collés comme ça pour faire un peu croire qu'on est dans l'espace. Mais... alors on se rend compte qu'on est tout proche des étoiles et c'est pas très bien foutu. Et bon, c'était à l'époque. Maintenant, les jeux où on est dans l'espace, comme par exemple Metroid Prime 3 et Corruption, c'est super bien foutu. C'était un JPEG, mais amélioré. Purée, je loupe tous les lums. Ah voilà, la pyramide musculaire. Attention. Avec une musique assez spéciale. Voilà. Je crois que je l'ai eu. C'était un mini-boss pas bien méchant. Bien sûr, il y aura un deuxième mini-boss comme ça qui sera orange cette fois-ci. Plus tard, il sera bien plus coriace. Mais là, par contre, je loupe trop de lums là. J'ai fait n'importe quoi. J'ai loupé une dizaine de lums. J'en ai loupé 11. Peut-être pas. Ah, si. Ah mais c'est dur d'avoir tous les lums, hein. Puis Rayman n'est pas facile à gérer, hein, en mode glissade. C'est un peu compliqué. Donc là, Rayman est ébouriffé. Il est époustouflé par cette statue Maya. Qui est en fait de la magie vaudou. Ça, Rayman est l'élu comme Link dans The Legend of Zelda. Et voilà, il se TP dans un autre univers qui est dans un autre espace-temps. Attention, où le temps n'existe pas. On est dans l'esprit du temps là, dans Dragon Ball Z là. Bienvenue, je suis Polocus, l'esprit du monde. La salle du temps, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Premier de mes quatre masques. Pour l'heure, je suis loin et ne te parle qu'en rêve. Mais si tu ramènes les trois autres masques, je reviendrai. Thank you.
le premier masque sur 4. On voyait que notre pote la grenouille ne ressemble pas à grand chose avec ses petits yeux. Ça m'avait toujours fait marrer, même sur DS. Tu vois, il est imposant et tout avec sa voix rock. Et là, d'un coup, tu vois, une petite bouse au niveau du visage, complètement écrasé. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Nous sommes à 1h33 de jeu, on est à 21%. On va dire que le jeu est quand même assez long. Quoique ça est à peu près le même temps que Star Fox Adventures, hein, je pense. En cette partie, c'est bouclé. Enfin non, pas en cette partie, vu que là, les parties sont un peu plus courtes. Les pirates ont construit d'énormes portes pour t'empêcher d'avancer. J'ai demandé au géant Clark de t'aider à briser la première. Gagne vite la plaine de l'Est. Clark t'y attend. Ah, je sais où c'est, je suis allé plein de fois ici. Je suis allé comme un gros taré plein de fois ici. Je suis un peu enrhumé, donc désolé. Si j'articule pas terriblement des fois. Bon, on va aller là-bas, on va peut-être faire le niveau. Hein. Parce que là, on est partant pour faire le niveau. Parce que là, Rayman, là, il est tout foufou, là, c'est parti. Là, on va à la plaine sacrée des robots. Ça veut strictement rien dire. Avec Clark, notre pote Shrek. Plaine de l'Est, voilà, ça doit être ça. Purée. Il m'a fait peur. Pourquoi il a pas de tête? Ah ouais. Ok. Je vais te montrer un passage. Suis-moi. En fait, je vous ai pas dit, mais en fait, c'est que je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, Michel Ancel, qui a fait Rayman 2, il n'avait pas trop eu le temps, parce qu'ils l'ont fait en seulement 2 ans, le jeu. Hein, parce qu'au début, ils ont commencé à travailler dessus en 97, et il est sorti voilà, en 99, fin 99, sur N64 et PC. Et je pense que ils n'avaient pas réussi à tout mettre. Dans une petite cartouche de N64 de 20 mégaoctets. Je pense pas qu'ils peuvent mettre grand chose. Et sur PC, ils ont pas tout mis aussi. Enfin, je pense qu'en fait, ils avaient pas tout fini. En fait, ils ont pas eu le temps de tout finir le jeu. Donc là, on voit que là, le jeu est peaufiné et qu'il y a beaucoup de rajouts. Que Clark, il sert pas à rien, quoi. On le voit le plus souvent. Parce que Clark, on le voit qu'une fois hein, sur DS, N64 et PC. Éloigne-toi un peu, je ne voudrais pas te blesser. Hey Clark, attends-moi. C'est là qu'on se dit ouais que le jeu n'est pas terminé, qu'il y a des personnages. Tu te demandes pourquoi on les voit 2 secondes quoi. C'est bizarre. Donc je pense que voilà, là ils ont eu le temps de finir leur projet quoi. En faisant ce Rayman Révolution. De toute façon, c'est la version de Rayman 2 que je vous conseille le plus. Hein. Maison de la famille Globox. Par là. Ah, c'est peut-être la colline au menhir. Faut aller. On va peut-être rencontrer Obélix. Et surtout, on va chevaucher ces machins jaunes avec une tête de mort dessinée dessus. C'est tellement gothique et glauque. Là, je me souviens de Murphy qui nous fonce dessus comme ça. Un obus à pattes. Il faut le fatiguer pour le dompter. Le dompter.
Ah donc là il va nous foncer dessus. Ça c'est vraiment un truc quand même assez tordu quand même. Franchement on s'y attend pas quoi. De le faire courir comme ça pour que pour pouvoir le chevaucher, c'est assez loufoque. Bravo, tu as réussi à dompter le missile. Presse la touche carrée pour accélérer. Et la touche croix, attention, tu ne peux sauter du missile. C'est parti. Ah mince, allez croix, c'est pour se barrer. Ok. Si puis-je jamais. Je suis de mauvais côté. Oui, on va rencontrer pas mal de... Enfin, on va voir pas mal de menhirs. Pour accélérer ces carrés. Je me souviens de cette fameuse... maniabilité assez ignoble. Alors. École militaire, afin de respecter la concentration des élèves, nous vous prions de faire silence. Bon, je vais les faire chier, moi. Donc c'est des méchants pas beaux. Ah d'accord. C'est ça ces élèves. Chérie. Ah, je me souviens ce niveau, je crois que c'est quand... C'est le niveau avec les araignées. Enfin je crois. Quoique c'est peut-être encore plus loin. Non c'est, je pense que c'est encore plus loin en fait. On descend. J'ai peut-être oublié quelques bonus, mais bon. On n'est pas là pour ça. On va pas en prendre 10 000. Je le ferai de mon côté en entier, peut-être. Et donc voilà, on se retrouve ici. Je me souviens de cet endroit aussi. Ça m'a pas mal traumatisé. C'était super chaud ici. Il y avait un passage assez chaud à faire avec l'obus. Et vu qu'avec la croix directionnelle, encore une fois, bah, c'est complètement ignoble hein, la maniabilité. Surtout quand t'es sur l'obus sur patte. Un obus sur patte quoi. Y'a pas plus loufoque. Faut pas mal se fier au bruitage hein, bien sûr. Quand on sent qu'il freine. Faut pouvoir le prendre. Moi je me souvenais qu'on pouvait aussi sauter là. Aïe, on peut pas trop se taper. Pas trop se cogner sur les trucs. Sur le décor. Surtout quand on accélère, il est très fragile après. Aïe, aïe. Impossible. Je me concentre là. Ah bah c'est bon. Bah, c'était pas si dur que ça. Comment ça se fait que j'avais tant de mal sur DS? C'est quand même bizarre. Ils ont facilité le truc, c'est pas possible. Faut que je le refasse sur DS. On verra ça. Hein. Là, il y a que dalle. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Ok, il y avait une pancarte il y a 2 secondes. J'ai pas trop eu le temps de lire. On va passer. Ah, ok. Ok, donc là. Il y a des ronces partout. Il y a des ronces de partout en dessous. Mais attention, c'est des ronces en 3D. Attention! Je crois que c'était un vieux JPEG en 2D sur DS. Bon,
ok, c'est peut-être quand on aura une nouvelle capacité. Wow. Ah, c'est là qu'il va y avoir notre pote Clark. Oh. Qui va être un peu malade. Clark, c'est toi qui as cassé ces pirates ? Sûr qu'à 20 contre toi, ils n'avaient aucune chance. Salut, petit gars. Tu viens tenter un bras de fer ? Tu n'as pas l'air bien. Tu es blessé ? J'ai dû avaler un bois un peu trop. Pour guérir, il me faudrait l'élixir de vie. Il est caché à l'entrée des marais de l'éveil. Ah. C'est là qu'on va devoir trouver... C'est là qu'on va devoir trouver... ça. Par le sorcier. Qu'on a vu dans le marécage. Non, moi. La grotte des mauvais rêves. Retiens bien ce nom, sinon le gardien t'empêchera d'entrer. La grotte des mauvais rêves? Ok, je me souviendrai. Tiens bon, je vais dans les marais chercher l'élixir. Merci, petit gars. Ok, donc dans le prochain épisode, nous allons nous confronter contre le grand, le machiavélique sorcier vaudou. On va sauvegarder. 22%. Et ça avance. Ça avance petit à petit. Bon, après, je suis sûr que quand on finira le jeu, ça mettrait que 70% ou des trucs du genre. Vu qu'il reste les lumes jaunes, bien sûr. Dans la plaine des Oxygrus. Je rêve ou on est à un autre endroit du trou. Ah, en fait, il y a pas tous les niveaux où on était avant. Là, en fait, il y a que deux niveaux. Les plaines des Oxygrus. Quoi ça? Je crois que c'est le lieu d'avant en fait. Le lieu où c'était assez open world. Non. Ah bon, ici ça. C'est plutôt bien foutu. Innommable. Son entrée est cachée dans les marais de l'éveil. Trouve-la vite. Un monstre innommable. Donc voilà, on va. Sur ce, je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. Pour la suite du let's play de Rayman Révolution. Où l'on va se confronter. Un personnage sinistre, machiavélique, innommable, ce que vous voulez. Le sorcier qu'on a vu l'autre fois, quoi. Mais j'en dis pas plus. Sur ce, à la revoyure !